messieurs, nous sommes ici pour le prochain match qui va débuter dans quelques minutes. Et je vous présente Christian Gutierrez. Christian qui est ici. Hello Christian. Welcome to Brussels. Welcome to Belgium. Have a good day. Alors Christian est top 10 dans le joueur professionnel de padel et c'est un des joueurs les plus talentueux du circuit. Elle a souhaité que Franco Stupačuk, Franco ook een professionele speler in onze World Padel Tour Exhibition. En ook is dat een hele jonge speler. En ik ben ervan overtuigd dat hij ongelooflijk kan spelen tegen onze Belgische duo. Nous avons Adrien Maigret, pardon, qui est français, fait partie des top 3 et il est vainqueur de nombreux tournois de padel en France. C'est un joueur de l'équipe nationale et il est qualifié, mesdames et messieurs, pour le prochain championnat du monde qui aura lieu au Paraguay. Et il est en association, on ne présente plus notre compatriote Olivier Rocus, ancien joueur de tennis professionnel, 24e en ATP, vainqueur du Roland Garros en double messieurs et joueur de l'équipe nationale. Félicitations à vous, merci de votre visite et bon match.
recettes. Je peux y aller si tu veux, mais comme tu veux. Non, vas-y, non, enfin. Ah.
Aaron Corey. Je reste de mon côté ou je change? Radio. Advantages, focus. Okay.
catch receiver. Game. 3-1. Okay.
Yes. Varias veces. On peut appeler nos joueurs, bien entendu. La même ambiance pour eux, s'il vous plaît. Ils sont là pour nous. Set. 6-2.
Touchez. J'étais parti là. Oui.
vous y allez. Bonjour à tous. Nous sommes en direct de Bruxelles avec le début du World Padel Tour Belgium. Alors bien entendu, vous reconnaissez certainement Gutiérrez Tupa qui sont deux joueurs du World Padel Tour. Et puis en face, c'est une paire franco-belge puisque nous avons Monsieur Maigret à gauche, tout au fond. Ah, superbe. Et ben voilà, il se présente lui-même, Adrien Maigret. Et puis Monsieur Rocus, le Belge, à sa droite, qui a remplacé Monsieur Benjamin Tison, le joueur français, le partenaire d'Adrien Maigret en France, qui s'est malheureusement blessé et évidemment à son grand dam, il a dû faire forfait. Mais notre père franco-belge se débrouille très bien et c'était notamment dans le premier set et ils ont même mené 1-0. Après ça a été un peu plus compliqué. On peut dire qu'ils ont réussi à mener face à l'une des toutes meilleures paires du monde. Gracias.
Christian Gutez et Franco Schumacher. On a beaucoup de chance d'avoir en Belgique de tels joueurs pour la promotion du paddle. Il n'y a pas mieux dans un site exceptionnel à Bruxelles. Allez, n'hésitez pas à poser des questions sur ce match, mais plus globalement sur l'événement, puisqu'il va avoir lieu jusqu'à dimanche. Il s'agit de la seconde édition du World Paddle Tour Belgium. Alors, on est vendredi, hein, donc les gens travaillent. Donc c'est un petit peu normal qu'il y ait pour le moment pas grand monde. Et encore, vous le voyez peut-être à l'écran, mais une partie des tribunes sont remplies. Hein. Il y a facilement une centaine de personnes déjà présentes, ce qui est plutôt bien. Même plus d'ailleurs, vous voyez, derrière moi, derrière la régie, il y a également au moins une cinquantaine de personnes, plus le bar, et on doit arrondir aller autour des 200 personnes. Donc on est plutôt très bien. Et c'est vrai qu'à partir de demain, on attend beaucoup de monde, forcément. En Belgique, le paddle vraiment prend de plus en plus d'importance dans le paysage, avec des personnalités comme le joueur de tennis, Monsieur Rocus. Bon, ça défile un petit peu, mais on voit des très beaux points. Smash raté de Touba. Oh, super remise d'Adrien. Aïe 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 aïe. Ça, c'est dommage. C'est dommage. 4-3. Donc, dans ce second set, après la perte du premier set par la paire franco-belge, 6-2, après avoir mené 1-0 dans le premier set, il y a eu une frayeur hein, de la part de nos joueurs du World Paddle Tour, Stupa Chouk et Monsieur Gutiérrez. Ah, il y a une super ambiance ici, hein. Les Belges sont évidemment, l'équipe belge est juste superbe, avec le directeur du tournoi, Monsieur Wertz, au taquet, hein, avec toute son équipe bien évidemment. Rodolphe, qui depuis plusieurs semaines maintenant est à fond. Et c'est vrai qu'ils réussissent à proposer un tournoi assez exceptionnel, il faut bien l'avouer. Allez, tandis que Julien Maigret intervient dans la discussion, Sébastien Ruiz Desconero bien évidemment. Bonjour Seb, Loïc Lepense également. Bonjour à tous. Tandis que, attention, El Directore du tournoi intervient. Il est là, il rôde, il est pas loin. Nous aurons également des interviews d'après-match. Et on voit de nombreuses télés belges, hein, venir ici pour prendre des vidéos, des photos.
Il faut dire qu'il y a un sacré relais médiatique en Belgique avec ce tournoi. Alors n'hésitez pas également à nous dire s'il y a des vues que vous préférez plus que d'autres. C'est vrai que là on s'est mis juste derrière, en effet Fish Eyes, derrière le terrain de padel. Maintenant on peut évidemment changer. De vue avec la vue principale qui est celle-ci. Donc n'hésitez pas à intervenir, hein. on essaie de peaufiner. Pour notamment les gros matchs qu'on aura à partir de demain avec des demi-finales et les meilleurs joueurs du monde. Alors oui, hein, c'est vrai que c'est très très sympa. L'ambiance depuis le début de la compétition, puisque nous avons eu un match junior vraiment très surprenant de jeunes joueurs qui devaient avoir moins de 12-13 ans. Et alors évidemment, on l'a retransmis en direct, mais c'est vrai que ça a été particulièrement intéressant de voir que en Belgique aussi, il y a de jeunes joueurs qui sont en train de s'entraîner dans les clubs de padel qui fleurissent un petit peu partout en Belgique. Et les Belges aussi, en Belgique aussi, on anticipe, on essaie de préparer l'avenir, parce qu'ils commencent maintenant, et on voit des jeunes joueurs manger du paddle, comme on dit, dès l'âge de 10 ans. Game set and match. 2.6 2.6.